Je finis. Ah oui, il arrive. Oui, chef. Le colosse. Ou fléau, je vous ai vu. Tenez bon, les gars, tenez bon. Il va le rebondir sur lui. Ah, c'est le colosse. Reculez, reculez. Allons, il faut anéantir ce Mythor. Mystique. Petit danger sympathique. Accès autorisé. Bienvenue, général Kincaid. Comment va-t-il? Magneto, peut-être. Irito se sauva, la race mutante est libre. Notre destin nous attend. Ces paroles résonneront aux quatre coins du monde. Il va déclarer la guerre à nos ennemis. Seuls ceux qui en sont dignes pourront contempler l'avènement d'une nouvelle vie. Ils seront pariés à des dieux. Si telle est votre volonté, il est temps de remettre de l'ordre dans mes affaires. C'est ça, c'est bien Magneto. Bonsoir, je suis Debra Owens pour RVN World News. L'information du jour, c'est l'attaque du SS Arbiter. Un peu plus tôt dans la journée, un groupe terroriste connu sous le nom de la confrérie des mutants s'est introduit à bord de l'Arbiter. Après s'être frayé un chemin jusqu'au pont inférieur, ils ont sévèrement endommagé le navire à l'aide d'une décharge électromagnétique. Et que l'Arbiter est coulé, les autorités ont tenu à souligner qu'aucune perte humaine n'est à déplorer. Oui, cet attentat renforce encore le courant anti-mutant. C'est le général Kincaid qui a déclaré au cours d'une conférence de presse que si les choses continuent à ce train... Homo sapiens, nous sommes à l'aube d'un nouveau monde, un monde meilleur dans lequel votre place ne sera plus la même. Et tous les mutants se réuniront au mont ensemble. Nous changerons l'ordre établi, l'homo supérieur sera placé en dessous du nouveau maître, l'homo supérieur. Institut d'études supérieures Xavier. Eh ben, dites donc. L'ambiance est devenue vraiment tendue du manoir depuis que Magneto a été libéré. Professeur Xavier a passé beaucoup de temps avec Cerebro. Cyclope est particulièrement nerveux. Il est impossible de parler à Wolverine sans qu'il nous menace de nous trancher la gorge. Il dirait que quelque chose d'affreux est sur le point de se produire. Mais, aussi difficile que ce soit la situation actuelle, je me surprends à commencer à considérer le manoir comme ma nouvelle maison. Ok. Examinez votre valise. La valise contient un livre de classe dédicacé à Allison. Salut Alice, c'était génial, c'était cette première année. L'année prochaine sera encore plus cool, sauf si on doit encore passer l'heure d'études avec Mitch. Quel minable, je parie que c'est encore un de ces mutants dont on parle. Je te laisse au Mexique, je m'appelle bon. Bienvenue à toi, bisous, Mandy. Sympa ta copine. Les écrans de chargement, je m'en fous réellement. Faut descendre. Vous pouvez pas causer. Cause pas. Ah, ok. Personne dans les chambres. Des Morlocks. Joue de croquis, hein.
Milicien grand 8. J'aimerais bien les avoir dans mon équipe. Enfin, je sais que j'ai Malicia. Là, ça cause pas. On fout du quiz. On va descendre. On va chausser. Oh, j'ai oublié. Hey Allison, what's up? Salut Allison, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? J'attends pour voir si Magneto va venir menacer le monde en direct à la Terre, de tel qu'un psychopathe complètement mégalo pour ça, bon non? Nothing is more entertaining than a psychotic megalomaniac. As-tu déjà rencontré Magneto? Once or twice. Une ou deux fois, j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur de l'un des mutants les plus puissants du monde. Ouais bon, un peu quand même, c'est vrai qu'il y a un bon à mettre à l'asile, mais je dis jamais non à une bonne baston, même contre Magneto la terreur. Il parle comme Wolverine. Ouais, il doit détention, ouais. Ah ouais, pourquoi? Le jour où je rencontre Wolverine, je vais sauver la vie, depuis je suis son équipière officieuse, on est assez proche quoi. Je croyais que Wolverine n'aimait personne. Ah, il a caché un mot faux, c'est un gros nounours avec des griffes d'adamantium. À plus de jubilé. Plus tard, Allison. Je peux pas voir les vidéos, je m'en tape complètement. Salut Allison, ça va? Depuis que Magneto a été libéré, tout le monde est nerveux ici. Non, on parle pas au déjeuner, j'ai pris la dernière pâtisserie et Wolverine a menacé de me faire sortir le cœur et de le manger sous mes yeux. D'habitude, ça va être à la première menace. Les X-Men ont déjà combattu Magneto, pas vrai? De nombreuses fois, c'est souvent joué à peu de choses, mais ils ont toujours fini par battre sa tête de suppôt. Alors tu n'as pas peur de Magneto? Bien sûr que si, nos glaces le sont, ce type est vraiment puissant et à la limite de la folie. Et nous allons vaincre Magneto, n'est-ce pas? J'aimerais en être persuadé, mais cette fois je sens que c'est différent. Magneto n'a jamais paru aussi sûr de lui quand il a déclaré la guerre mondiale à la télévision. Tu me manques déjà. Petit salon. Et Blue. Guten Tag, Fräulein. J'espère que tout va bien. Là, on fait un peu de lecture. Étiquette politique de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas m'aide beaucoup quand je me sens perdu. Tu es un X-Man et tu es encore perdu? Avec toutes ces agitations autour de Magneto et des mutants et des humains, j'ai le cœur lourd. La situation me dépasse. Nous sommes tous des adultes doués de raison et pourtant nous n'arrivons plus à vivre ensemble dans la paix. Tu lis beaucoup? Je me sens bien au milieu des livres et je suis sûr que toi aussi. Comment peux-tu le savoir? Tu constatais que les gens qui disaient étaient capables d'aller au-delà des apparences des individus, de les voir tels qu'ils sont vraiment. Et tu fais partie de ceux-là. De la même manière qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, n'est-ce pas? Ça écoute. Alors tu as grandi dans un cirque. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Dieu veillait sur moi lorsque le cirque m'a trouvé, car je n'aurais pas survécu bien longtemps ailleurs. Que voulez-vous dire?
Les perspectives d'intégration sont assez limitées pour un enfant velu, bleu et doté d'une queue pointue. Sous un chapiteau, il devient l'incroyable Diablo, une véritable vedette. C'est Nightcrawler en anglais. Tu veux déjà combattre une sentinelle? Ah, je me rappelle d'une fois en particulier, les X-Men avaient été appelés à New York pour aider un ami qui avait des problèmes. Nous avons vite réalisé que les problèmes étaient pour nous. Ah, au Wiedersehen, Diablo. Ah, si je te connaissais pas, j'aurais cru que tu étais allemand. Ok, ça s'est fait. Bon, petit point d'interrogation quelque part. Hein. On fout, on doit voir les BD. Et d'ailleurs, vous avez corrigé vous-même, c'était pas un point d'interrogation, mais un point d'exclamation. Parlons peu, parlons bien. Ciao, tchitch. Allez, c'est ça là. Ouais, je cherchais l'ascenseur, il me l'a niqué à peau. Susan. Qu'est-ce qu'il y a dans le hangar? Il n'y a jamais personne dans ce machin. C'est gigantesque. Il n'y a personne. Oh, là, on c'est dingue, ça. J'espère que ça sert à un moment donné, parce que sinon vous aurez pu arrêter de toquer la porte, que faire une fausse porte de déco et puis rien foutre derrière. Que c'est un peu beaucoup pour pas grand chose. Hello again, Allison. Ah bonjour, tu me gères quoi? Tu m'expliquer qui est Magneto? C'est un mutant d'une puissance inimaginable. Ses capacités à contrôler les champs électromagnétiques lui permettent de réaliser ses moindres désirs. De simples caprices au plan plus machiavélique. Mais pourquoi en veut-il autant aux humains? Magneto a perdu toute sa famille pendant l'Holocauste. Il est convaincu que la même menace pèse sur les mutants. C'est comme ça qu'il justifie sa haine. And that is how he justifies his hatred. Isn't he right, though? Et il n'a pas tort, n'est-ce pas? Les humains détestent bien les mutants, non? C'est ce qu'ils ont dit aux informations. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et les humains ne comprennent pas les mutants, c'est pourquoi nous devrions les éclairer. Therefore, it is our responsibility to enlighten them. Pourquoi les X-Men ont-ils aussi peur de Magneto, ce n'est qu'un mutant? Magneto est à lui seul une force à ne pas négliger, mais il a également la confrérie qui lui obéit au doigt et à l'œil. Et la confrérie est une sacrée source d'ennui, non? En effet, la confrérie des mutants est un groupe de vauriens tordus qui se sont ralliés à la cause de Magneto. C'est un peu ce que sont les X-Men pour le professeur Xavier. Les X-Men et les membres de la confrérie sont radicalement opposés. Les X-Men font tout pour améliorer la communication entre mutants et humains. La confrérie, quant à elle, cherche uniquement à régner sur les non-mutants et n'hésitera pas à utiliser la violence pour atteindre son but. Tu es déjà rencontré Magneto? J'ai eu la chance de croiser le chemin de Magneto à plusieurs reprises et à chaque fois l'expérience était des plus déplaisantes. Mais nombreux sont ceux qui voient en lui un chef très charismatique. Aucun des X-Men ne serait tenté de rejoindre Magneto, n'est-ce pas?
Eh bien, disons juste que certains d'entre nous sont revenus sur leurs erreurs. Ça alors, l'un des X-Men faisait partie de la confrérie? Qui? Ce n'est pas à moi de te le dire, Eddie. Si cette personne veut que tu le saches, elle te le dira elle-même. On raconte qu'un jour, le fléau a attaqué le manoir X. On l'a déjà vu. Jour-là, il n'avait qu'une idée en tête, tuer son frère. À plus tard, viens voir quoi tu veux, Edson. Y'a rien ici. Y'a personne. Pas Gambit, là, que je puisse l'avoir pour les combats ou des trucs comme ça. Oui, Sam, comment es-tu aujourd'hui? Bonjour, mademoiselle Grey. Appelle-moi Jean, j'ai l'impression de prendre 10 ans quand on m'appelle mademoiselle Grey. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare Cerebro pour le professeur. Nous allons essayer de localiser le confrère dans le manoir, dans l'espoir de trouver le mont. J'ai entendu dire que tu vas, comme moi, du mal à contrôler tes pouvoirs. C'est pas trop indiscret, peux-tu me dire comment tu gères ce problème? C'est un problème contre lequel je vis tous les jours, Alison. Tu comprends, si je pousse mon pouvoir à l'extrême, je peux en perdre le contrôle et devenir Phoenix. Qui est Phoenix? C'est une entité destructrice d'une puissance aussi stupéfiante que terrifiante. Et à cause d'elle, je dois toujours veiller à la quantité d'énergie que j'utilise. Comme quoi, tu as maintenu l'arbitre à flot. Oui, exactement, j'ai fait que le strict nécessaire. Si j'étais allé plus loin, j'aurais certainement perdu le contrôle. On dirait que tout le monde est en train d'essayer de localiser le mont ici. Oui, le professeur tient à ce que nous trouvions le mont avant tous les autres, je pense. Le professeur X a peur que Magneto se fasse tuer si quelqu'un d'autre trouve sa base avant nous. Pourquoi le professeur s'inquiéterait-il de Magneto? Parce qu'ils ont été amis. Non, tu plaisantes, le professeur Magneto était ami. Trois fois, ils étaient très proches. Magneto avait même aidé le professeur à construire Cerebro. Ah, pourquoi sont-ils devenus ennemis? Ce ne sont pas vraiment des ennemis car ils se respectent toujours, mais ils ont un profond désaccord sur la manière de voir les relations entre mutants et humains. Le professeur Xavier était beaucoup trop pacifique aux yeux de Magneto. À plus tard, mademoiselle Grey. Au revoir, Alison.